Bonsoir, nous sommes le mardi 21 février 2023. Vous regardez À l'air libre, l'émission d'actualité et de débat de Mediapart. Bienvenue. Ce soir, on s'intéresse à l'Ukraine et à la Russie. Il y a près d'un an, Vladimir Poutine lançait ses soldats sur Kiev. Il pensait renverser le gouvernement de Volodymyr Zelensky et imposer un régime fantoche. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Un an plus tard, soutenu par les Occidentaux, les Ukrainiens ont résisté. Nous revenons avec nos invités dans cette À l'air libre spéciale sur cette nouvelle phase d'une guerre qui a commencé il y a près de 10 ans, en 2014, en Crimée et dans le Donbass, à l'est de l'Ukraine. Dans la nuit du 23 au 24 février 2022, après plusieurs semaines durant lesquelles les services de renseignement américains mettaient en garde contre une prochaine invasion russe, Vladimir Poutine apparaissait à la télévision et déclarait ceci. Les premières bombes tombent sur l'Ukraine et le président Zelensky appelle à la résistance. Premier ministre Шмигаль тут, président тут. Всі ми тут. Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Слава Україні. Слава героям. Слава. Alors que les Russes sont très vite arrivés dans les faubourgs de Kiev, ils ont été repoussés et un an plus tard, l'Ukraine résiste toujours. Elle a même fait face aux offensives russes et stabilisé le front dans le Donbass. Pour évoquer l'Ukraine et les conséquences sur la vie des Ukrainiens de ces 365 jours de guerre, nous sommes avec deux journalistes de Mediapart qui se sont rendus sur place, Karine Fouteau, par ailleurs directrice éditoriale de Mediapart, et Mathilde Gohanek, et deux chercheuses, Anna Colin-Liebedef et Yulia Choukan. Bonjour à toutes. Karine, tout d'abord, Mediapart publie ta série d'articles dans le cadre de sa semaine spéciale consacrée à la guerre. Qu'est-ce qui t'a le plus frappé durant ces 10 jours où tu t'es rendu non seulement à Kiev, mais aussi à Izium et à Kharkiv ? Je pense que c'est important de replacer un peu les villes où je me suis baladée, Kiev et Irpin aussi, dans la banlieue nord-ouest de Kiev, et puis ensuite Kharkiv et Izium, et des villages aussi autour de Kharkiv. Je veux aussi préciser que j'étais accompagnée d'une fixeuse, interprète, qui est aussi photoreporter, qui a illustré les photos de tous mes articles, qui s'appelle Olga Ivashenko. C'est l'occasion de dire que c'est très important dans ces cas-là, quand on ne parle pas la langue, quand on ne connaît pas bien le pays, d'être bien accompagné et d'avoir des gens qui sont sur place et qui savent de quoi ils retournent, qui savent nous aider à trouver des contacts, entrer en relation avec les gens, c'est essentiel. J'ai travaillé sur trois sujets. Un premier sujet un peu compliqué qui est sur les questions de collaboration dans les territoires qui ont été occupés par les Russes. Donc c'est pour ça que je me suis rendue à Kharkiv. Alors dans la région de Kharkiv, la ville elle-même a toujours résisté, mais une grosse partie de la région de Kharkiv a été occupée pendant 6 mois à peu près, jusqu'à la contre-offensive ukrainienne en septembre. Et c'est là que je suis allée pour essayer de rencontrer des gens. Alors, je ne cherchais pas des Ukrainiens pro-russes parce que c'est trop évident. Puis je pense qu'en fait, il n'y en avait pas tant que ça. Et puis, ceux qui étaient pro-russes sont partis, se sont enfuis, sont partis en Russie pour la plupart. Et donc, je cherchais à comprendre un peu cette zone grise de comment on fait, en fait, pour survivre dans un territoire où la seule manière d'obtenir de la nourriture, c'est d'avoir une relation, en tout cas, avec les occupants, avec les Russes. La journée que j'ai passée à Izium a été particulièrement intense, d'abord parce que j'ai vu une ville complètement dévastée par 6 mois de bombardement, donc une ville qui est détruite à 70-80%.
Et des gens qui ont vécu sous occupation et en fait en grande partie sous terre, dans des souterrains pendant une grande partie de leur période d'occupation. Donc c'est assez effroyable quand on est journaliste et qu'on rencontre ces personnes et qu'elles ont encore plein de choses à raconter, plein de choses à partager. J'ai été très surprise de l'envie des gens de discuter, de raconter ce qui leur est arrivé, d'entrer dans le détail de leur vie. Voilà, donc ça a été pour les moi... Les gens, ils ont envie de parler, en fait. Ceux qui ont rencontré, personne... Vraiment, tous les gens que j'ai pu croiser, parce qu'on n'avait pas de contact en arrivant à Izium, donc on a commencé à discuter avec une dame qui promenait son chien, et puis qui nous a envoyé vers une autre personne, qui elle-même nous a envoyé vers une autre personne, et c'est un reportage qui s'est fait comme ça au fil de la journée, en allant de l'un à l'autre, et à chaque fois avec des témoignages plus incroyables les uns que les autres. C'est-à-dire qu'à la fois, les gens ont envie de parler et de partager leur expérience. Et ils ont des expériences incroyables à raconter. C'est-à-dire qu'en fait, chaque personne que j'ai rencontrée méritait un papier à part entière. Par exemple, je parle dans un de ces papiers d'un certain Romas qui a participé à ramasser les corps des personnes qui étaient abattues sur place ou qui étaient décédées à la suite de bombardements, qui participait à les ramasser, à les rassembler, à les enterrer. Bon, voilà, son histoire est là, mais elle mériterait un livre entier, en fait. Cette personne a vécu une histoire complètement traumatisante et aujourd'hui, tous ses habitants sont encore en état de choc. Donc ça, c'est quelque chose, effectivement, de très impressionnant. Et puis, un autre sujet un peu plus heureux, un peu plus porteur d'espoir, sur lequel j'ai essayé de travailler, autour des naissances et des mariages, puisque voilà, j'avais aussi envie de raconter les comportements intimes, la manière dont cette guerre bouleverse jusque dans les plus profonds sentiments des uns des autres et comment la guerre fait qu'on se rapproche, quoi, on se recentre sur l'essentiel. Qu'est-ce qui est important? Les gens se posent tous cette question. Qu'est-ce qui est important pour moi? Est-ce que c'est mon amour? Est-ce que c'est ma famille? Est-ce que c'est mes amis? Et comment tout se recompose autour de ça? Et c'est vrai que ça fait des histoires un peu plus heureuse, un peu plus voilà, qui raconte, qui ouvre des perspectives. La troisième histoire qui est pas encore publiée, c'est sur les questions de la mobilisation, et j'ai été frappée par la mobilisation de cette société. Alors évidemment, ça a été déjà beaucoup raconté, Yulia y reviendra sans doute, mais c'est très frappant parce que moi j'y allais après un an de guerre. Et je m'attendais quand même à trouver des gens fatigués. Alors, ils sont, en fait, effectivement, sans doute assez fatigués, mais dans une détermination et une envie d'aller jusqu'au bout, de récupérer leur pays en entier, de libérer l'ensemble des territoires occupés, de récupérer la Crimée, et une action permanente, une mobilisation, une volonté d'agir, de pas rester en retrait, qui est effectivement très impressionnante, puisque tout le monde en fait est percuté d'une manière ou d'une autre par cette guerre qui traverse toutes les vies. Il y a, je pense, personne dans ce pays qui vit comme avant. Toutes les vies sont bouleversées, et on sent que chacun a envie de participer, d'agir à sa manière, à sa mesure, en organisant des ravitaillements de front, au front, en aidant des familles déplacées, en offrant du soutien psychologique. Et là, c'est vrai que c'est pareil, c'est des histoires incroyables. Je pense notamment à Kharkiv, un chanteur, un musicien, Oleg Kadanov, qui est assez connu dans le pays, qui était, enfin, qui est toujours un artiste, hein, mais qui, dont on peut voir les vidéos sur YouTube, une sorte de chanteur punk rock, très fantaisiste, avec des performances sur scène incroyables. Et là, moi, je l'ai rencontré en tenue kaki, complètement concentré sur sa tâche, qui est d'aller ravitailler les habitants et surtout les militaires de Bakhmout, qui est en ce moment la zone la plus sous le feu des Russes. Et c'est vrai que c'est frappant de voir ce basculement total dans sa vie. Et puis, il y a plein d'autres exemples. On mettra ce papier en ligne bientôt, prochainement jeudi. Alors, Yulia Jukhan, vous étiez à peu près au même moment que Karine en Ukraine. Vous, même question, en fait. Qu'est-ce qui vous frappe le plus C'est intéressant, puisque, effectivement, je suis partie en tant que chercheuse et finalement, on s'est intéressé à des questions assez similaires. Et tout en connaissant bien à la fois l'Ukraine et Kharkiv, je pense que j'ai été aussi à la fois étonnée, surprise et en même temps rassurée, dans le sens où ce que j'ai vu s'inscrit dans la continuité de mes propres recherches. Et peut-être le premier élément, c'est précisément cette vitalité de la
de la société ukrainienne, cette capacité d'auto-organisation, de solidarité. Je l'avais déjà observé depuis 2014 à Kharkiv, puisque j'ai travaillé sur le long de la guerre du Donbass. Donc, j'ai fait du bénévolat avec une initiative de femmes engagées dans l'assistance aux militaires blessés, hein, à l'hôpital militaire de Kharkiv. Et donc, c'est à travers elles que je raconte notamment aussi cette histoire de bénévolat. Ça m'a permis aussi, au fil des années, de rencontrer d'autres acteurs engagés. Mais là, mon retour m'a surpris par la démultiplication de ces initiatives. Il y a en fait des gens et des secteurs de la société qui étaient très peu touchés par la guerre. Alors que Kharkiv n'est pas loin, finalement. On n'était pas loin de la ligne de contact, donc dans les régions de Donetsk et de Lugansk, à peine 250 kilomètres. Mais dans le même temps, au moment où la guerre s'est enlisée, elle était loin. Effectivement, les hostilités étaient assez limitées. Et donc, des gens sont démobilisés. On ne s'y intéressait tout simplement pas. Et aujourd'hui, on voit au contraire une remobilisation pour certains, une nouvelle forme de mobilisation et d'engagement pour d'autres, avec voilà, cette hybridation entre les savoirs déjà existants et savoir-faire déjà existants dans le bénévolat et de nouvelles initiatives qui se sont créées. Donc à la fois, lors de mon séjour, je suis retournée voir les acteurs et actrices que je suis depuis longtemps, mais aussi je me suis intéressée aux nouvelles initiatives, à leur mode de fonctionnement, pour voir voilà, dans quelle mesure aussi mes analyses d'avant l'invasion restent encore ou ne restent pas encore valables. Et après, il y a deux autres éléments qui m'impressionnent toujours, c'est précisément cette résistance, mais au niveau très micro-social. Cette capacité, mais comme dans toute situation de guerre, mais elle est particulièrement saillante en Ukraine aussi, cette capacité de construire une sorte de normalité dans la normale. Vous avez dit, Karine, on va rester sur le mot du vouvoiement, vous avez dit effectivement mariage, naissance, recentrement sur sa famille, mais une volonté aussi de vivre normalement, d'aller dans des cafés, de sortir, de voir des amis, parce qu'on ne sait pas d'ailleurs si on aura la possibilité demain ou après-demain. On a totalement intégré ce risque de l'insécurité physique et donc qui va rythmer nécessairement un certain quotidien, une certaine vie sociale. Et donc cette capacité d'adaptation précisément pour reconstruire un nouveau quotidien m'impressionne. Et à chaque retour, effectivement, j'essaie de voir de quelle façon les gens agissent, s'adaptent. Il y a des formes d'ingéniosité aussi à travers les difficultés qu'on voit apparaître. Et après, le troisième élément, j'ai aussi senti, lors de mes précédents voyages, notamment dans la région de Kherson, une sorte de tension. Le lien social qui se dissout sous l'effet de la guerre et de l'occupation. Et donc, je suis allée à Izium également, précisément sur cette question de... je vois que le législateur ukrainien... Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites le lien social qui se dissout? C'est les relations avec les voisins, par exemple, les relations avec les proches, parfois, puisque la guerre peut séparer jusqu'à dans la famille, s'inviter dans la famille. Ce qu'on a vu précisément, c'est dynamique aussi auparavant avec la guerre du Donbass, mais là, c'est ce phénomène d'occupation qui est... différent, en tout cas dans le mode d'exercice de cette occupation, certainement, avec des formes de brutalité qui existaient, mais je pense qu'il y a des limites aussi dans cette comparaison, hein, dans les occupations en Crimée, ou encore les occupations des territoires de Donetsk et de Lugansk. Et là, j'ai senti vraiment la fragilité, et donc je me suis intéressée à cette question du vivre en commun, du vivre ensemble, en fait, dans les anciens territoires occupés et libérés donc par l'armée ukrainienne, parce que je vois que le législateur ukrainien essaie de... Et c'est normal, et la référence de la Seconde Guerre mondiale est aussi là, et notamment l'expérience française de l'occupation, essaie de cadrer l'occupation en tant que soit collaboration, soit résistance. Or, on le sent, notamment dans les récits des personnes qu'on rencontre, que, comme vous avez dit, effectivement, qu'il y a toute une panoplie de comportements, qu'on peut vivre sous occupation sans avoir aucun rapport avec l'administration d'occupation, tout en endurant les épreuves de la guerre, qu'on peut à un moment ou à un autre entrer en contact avec ces administrations-là, qu'on peut encore, à un moment, s'engager dans des formes plus actives de coopération, d'engagement, tout simplement, vis-à-vis de cette administration d'occupation, à partir du moment où on passe donc, de ce mode de gestion militaire à une gestion policière donc des territoires. Et je suis partie sur cette piste-là aussi, mais avec cette idée de recueillir des entretiens, faire de longs entretiens,
J'en ai fait quelques-uns à Izioum, j'en ai fait quelques-uns aussi à Kharkiv, notamment avec les enseignantes, puisque cette question d'enseignement, elle est inscrite précisément dans la loi sur la collaboration, cette loi qui a été adoptée le 3 mars 2022, qui devait envoyer un signal clair précisément pour prévenir un certain nombre de comportements. Et donc voilà, j'ai été aussi dans cette démarche qui nécessairement va rester là, parce que ça crée des situations d'incompréhension de la part d'un certain nombre de personnes qui ne passent pas ce processus de vérification par les autorités après la libération. Donc ça, c'est un travail que vous avez commencé et que vous allez poursuivre. C'est un travail que je vais certainement poursuivre, effectivement, puisque... Et on peut faire le lien précisément aussi, et c'est ce que d'ailleurs font à la fois, enfin, notamment les défenseurs des droits humains ukrainiens qui travaillent sur ces questions d'occupation depuis 2014, en reliant... toutes ces différences toutes ces expériences très très différentes d'occupation entre la Crimée, les territoires du Donbass et aujourd'hui les territoires donc où l'occupation est différente, la temporalité est différente, donc nécessairement les formes d'engagement sont très différentes entre 1 mois, 6 mois, 9 mois pour Kherson. Alors Anna Colin-Lebedev, donc vous documentez, en tout cas vous êtes très présente comme chercheuse sur Twitter hein, depuis un an, vous documentez cette guerre, vous ferraillez. Vous expliquez, et en fait, et même votre biographie est assez ironique, vous dites spécialiste des sociétés post-soviétiques à la solde du Kremlin ou de l'OTAN selon les jours. Alors, on voit d'un côté ce que racontent Karine et Yulia, c'est-à-dire cette résistance de la société ukrainienne, ces tensions. Et du côté russe, qu'est-ce qui se passe ? Alors, effectivement, question importante parce que de mon point de vue de chercheuse, l'hypothèse de la zombification est une hypothèse qui nous conduit à une impasse. Et on peut être effectivement effrayé par un certain nombre de réactions que l'on entend en Russie, même chez des connaissances russes, mais à mon sens, on a plus que jamais besoin d'expliquer ce qui se passe. Zombification, pour ceux qui nous regardent, ça fait référence à un livre de Yegor Gran. Entre autres, au livre de Yegor Gran, Z comme zombie, mais je dirais que l'hypothèse a été reprise et a beaucoup développée. De succès parce que c'est une sorte d'explication simple qui met la propagande en avant, alors qu'en réalité, les logiques sociales sont bien plus complexes. Elles ne se limitent pas à la seule question de la propagande et de son action sur les esprits. Alors, qu'est-ce que l'on sait aujourd'hui, hein, avec des données très partielles et effectivement, à la différence de l'Ukraine, impossible aujourd'hui, en tout cas pour un chercheur, d'aller sur le terrain, d'aller interroger les gens sans les mettre en danger, poser des questions, recueillir des réponses qui auront une validité. Donc, on procède par petites touches et par signaux qu'on glane ici et là. Le grand basculement du rapport de la population russe à son pouvoir politique n'a pas eu lieu. Ça, je pense que nous pouvons le conclure d'ores et déjà. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu un basculement, vous voyez, d'une ampleur autre. La première chose que l'on peut dire, c'est que la composition politique, on peut même dire sociopolitique de la population russe d'aujourd'hui, un an après le début de l'invasion armée, n'est pas la même que celle de février 2022, dans la mesure où, je dirais, cette guerre s'est conduite avec les frontières russes grandes ouvertes et une invitation plus ou moins explicite à partir, faite à tous ceux qui étaient mécontents avec ce qui se passait à l'intérieur du pays. Alors nous avons eu deux vagues de migration, une première en février-mars, où vraiment les personnes qui politiquement auraient pu s'opposer au pouvoir ont massivement quitté le pays après une première phase de manifestations très durement réprimées. Mais comme il y a eu une législation très répressive introduite en Russie dès début mars, je dirais que petit à petit, par action judiciaire, par poursuite policière, on a chassé les personnes politiquement actives du pays. Est-ce qu'on sait combien de personnes sont parties ? On parle aujourd'hui en centaines de milliers. En réalité, c'est très compliqué d'expliquer pour le total. C'est très compliqué de comptabiliser dans la mesure où les chiffres que nous avons sont des chiffres des gardes frontières et je dirais ils enregistrent tous les passages. C'est-à-dire quelqu'un parti, revenu, reparti, et bien voilà, il comptera pour autant de passages ayant quitté le pays. Donc on n'a pas ces chiffres-là. Mais je dirais, ce qui compte ici, ce n'est pas tant le nombre, mais le fait que ces personnes soient précisément celles qui étaient actives dans la critique du pouvoir et qui, une fois dehors, ne sont plus entendues en Russie. On a une deuxième vague de départ, qui est la vague de départ au moment de la mobilisation, qui est décrétée fin septembre 2022. Et là, ceux qui partent ne sont pas forcément les opposants, mais ceux qui ne souhaitent pas être mobilisés, et donc qui auraient pu s'opposer sur le front, qui auraient pu s'opposer dans les centres de recrutement, qui auraient pu passer du côté de l'ennemi, passer du côté ukrainien. Donc, je dirais, le pouvoir russe a aussi cherché à se débarrasser de cela. Donc, vous voyez, ceux qui restent, je dirais, c'est une population politique
politiquement très épurée. Et donc, ce qu'il faut comprendre, bah, c'est ces gens-là, en fait, quelle est leur logique et quelles sont leurs priorités pour ne pas prendre la parole pour s'opposer ou ne pas s'opposer ou s'engager dans le front. Et là, nous avons effectivement plusieurs... une fois de plus, la dimension sociale compte. La dimension sociale compte parce que l'adhésion a été obtenue auprès des catégories les plus fragiles, les personnes vivant en périphérie, issues de milieux sociaux modestes, relativement peu connectées à ce qui se passe au centre et à ce qui se passe à l'étranger, par deux moyens. Le premier moyen, c'est bien évidemment l'information, et c'est là qu'on retrouve notre propagande. Mais au-delà de la propagande, dans un village, vous pouvez avoir une très grande précarité de la vie quotidienne, il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas de tout à l'égout, mais un poste de télévision va toujours trôner au milieu de la pièce principale et va servir de source principale d'information. Donc ces gens-là, depuis 2014, ils entendent parler de la pauvre Ukraine maltraitée par un pouvoir néo-nazi et de l'action humanitaire des Russes pour sauver les Ukrainiens. Et puis depuis quelque temps, ils entendent parler de ces méchants Américains que bien évidemment, ils n'ont jamais vu de leur vie. Aujourd'hui, un tiers des Russes disposent du passeport qui leur permet de voyager dans les pays à visa. Donc ça veut dire que les deux autres tiers ne sont jamais allés aussi loin. Et on leur dit que ces affreux Américains, en fait, s'apprêtaient à bombarder la Russie, à détruire la vie civile, à détruire les infrastructures civiles, à éradiquer la population russe. Donc, bien évidemment, la conviction est passée. Et vous avez un certain nombre de personnes... Donc ce discours-là porte... ce discours-là, il est long et il n'a pas d'alternative. Il n'a pas eu d'alternative. Et je pense qu'il a fini par s'imprégner d'une manière ou d'une autre. Et un certain nombre de personnes pensent que la Russie combat pour des causes juste. Le deuxième mécanisme par lequel l'adhésion de la population ordinaire a été obtenue est un mécanisme financier. Et c'est une politique constante de l'État poutinien depuis sa mise en place, et notamment depuis que les caisses se remplissent grâce aux revenus des hydrocarbures, on redistribue, on injecte de l'argent dans la population. Donc il y a bien évidemment ces soldes faramineuses pour quand on est en région russe qui sont proposées aux combattants qui s'engagent ou qui sont mobilisés. Et donc tout de suite on pense à rembourser le crédit, rénover la maison des parents, vous voyez, toutes sortes de choses quotidiennes qui semblaient complètement inaccessibles, et là, tout d'un coup, c'est là, c'est offert, c'est presque donné, et donc, après tout, on se sacrifie aussi pour cela. Mais il y a eu également des injections faites d'une autre manière, revalorisation des retraites, revalorisation des salaires des fonctionnaires, qui ont permis de maintenir le niveau de ces Russes modestes, qui ont la sensation que tout va bien et qu'au final, la vie, l'économie continue et la vie continue. Après, ce qui est intéressant de comprendre, c'est ce qui se passe chez les autres, chez ceux qui ont les moyens de s'informer, chez ceux qui sont restés, chez ceux qui sont loyaux au pouvoir, alors même qu'ils avaient moyen de faire autrement et peut-être d'avoir d'autres stratégies. D'autres stratégies, ils les ont. Mais ils ont utilisé massivement, en fait, la stratégie qui est préférée par les Russes depuis des décennies, et je pense même en amont à la période soviétique, qui est la stratégie de l'évitement. On cherche à contourner, on cherche à se mettre à l'écart, on cherche à ne pas savoir. Et si ça vous menace directement, comme par exemple la mobilisation... Une sorte d'apathie. Ah non, c'est pas du tout une apathie. C'est une stratégie très active. Ah, le pot de vin, se cacher, trouver des relations qui vous permettent de ne pas être affecté. Et puis éventuellement, si on sent que le bulldozer arrive sur vous, vous grimpez sur le bulldozer au lieu d'être sous les chenilles. Et ça aussi, c'est une stratégie, c'est-à-dire adhérer d'une manière très vocale, eh bien, c'est une manière de garder son poste, de garder ses ressources et éventuellement d'avoir des ressources quand on est un notable, par exemple, pour faire en sorte que son gamin ne soit pas alors, emporté par la quand vague. Quand vous dites monter sur le char, c'est quoi ? C'est dénoncer son voisin ou faire preuve d'encore plus de... Faire preuve d'une grande emphase patriotique. Et aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus besoin de dénoncer son voisin pour sacrifier l'autre. Pensez à un chef d'entreprise à qui arrive que les autorités militaires contactent en disant « Bon, bah toi, t'as 10% de ton personnel qu'il faut que tu donnes à la mobilisation ». Vous voyez, il y a différentes stratégies qui peuvent être celles de ce chef d'entreprise. Certains vont, par exemple, s'opposer, non pas en s'opposant vocalement, mais en faisant passer tout leur personnel en télétravail. Comme ça, il n'y a plus personne. Désolé, j'ai aucun moyen de les atteindre. Ils peuvent être à Bali, j'en sais rien du tout. Vous voyez, d'autres, en fait, effectivement, vont donner la liste. Et peut-être même vont donner 20%, parce que comme ça, les autorités militaires sont contentes et on continue par la suite. Donc tout ça, c'est des stratégies. C'est des stratégies où, effectivement, oui, tout comme les Ukrainiens, aussi paradoxal que cela puisse paraître, comme le dirait Karine, les Russes se recentrent sur ce qui est central pour eux. Et ce qui est central pour eux, c'est très rarement la
chose collective, c'est beaucoup la survie de leur cercle de proches. Mathilde, on va revenir sur l'Ukraine parce que tu travailles sur un article qui n'est pas encore paru, mais justement sur les tiraillements de la société ukrainienne. Et ça rejoint un peu cette question des réfugiés, de l'exil, parce que entre ceux qui restent et ceux qui partent. Oui, en fait, c'est quelque chose qui date du séjour en Ukraine, des séries de reportages en Ukraine entre novembre et décembre, qui, un peu, je pense, la même démarche que Karine, tentait d'aller au-delà de la romantisation du récit autour de la guerre en Ukraine, qui tentait de comprendre aussi que parfois les Ukrainiens pouvaient s'opposer à leur propre gouvernement, donc sur la question par exemple LGBT, etc. Donc, y compris dans la question culturelle, par exemple, ces initiatives très spontanées, très individuelles pour faire face à une forme d'incurie d'État. Évidemment, l'État ukrainien a plein de choses à faire en ce moment, donc c'est simple de jeter la pierre, mais en tout cas, c'est quand même intéressant de voir que cette remise en cause, elle perdure pendant la guerre. Ce qui me semble aussi intéressant, c'est de creuser cette sorte aussi de zone grise entre les Ukrainiens qui sont partis à l'étranger et ceux qui sont restés, avec parfois des relations, j'emploie le terme d'une des personnes que j'ai interrogées, assez toxiques en réalité, des accusations parfois de trahison de ceux qui sont partis et qui ne sont pas rentrés, de celles qui sont parties et qui ne sont pas rentrées, parce que ça concerne beaucoup des femmes, et aussi une sorte de concurrence des douleurs. Et pourquoi c'est intéressant cette histoire ? Parce qu'en fait, ça montre à quel point les guerres sont... C'est la même guerre, mais elle est vécue avec la même intensité, mais de manière très, très différente. Et je pense que c'est quelque chose qui peut se jouer aussi à l'intérieur même de l'Ukraine. On ne vit pas la guerre à Lviv comme on la vit à Kharkiv. On ne vit pas la guerre à Kharkiv comme on la vit dans un village au sud de Dnipro. Enfin, voilà. Et donc tout ça, ça va devoir être travaillé à l'issue de cette guerre, si on se projette un peu, et ça va laisser des traces. Il y a des femmes avec leurs enfants qui vivent à l'étranger, qui ne comprennent pas le choix d'autres femmes de rester avec leurs enfants sous les bombes, et inversement, des femmes qui vivent sous les bombes qui ne comprennent pas ce choix d'avoir tout laisser, la famille, les proches, la maison, le chien, le chat, pour aller se vivre une vie très, 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 pas misérable, mais très de basse intensité, d'une certaine manière, en Europe. Et peut-être un dernier point que je trouve intéressant, c'est aussi que les Ukrainiennes que j'ai interrogées, qui vivent toujours en Ukraine, décrivent une énergie, on va y revenir, je pense, une énergie, malgré la peur physique, pour soi-même, pour ses proches, incroyable, qui fait tenir. Ce dont, paradoxalement, malgré la tranquillité relative, sont privées les Ukrainiennes de l'extérieur. Y a une autre question qui revient souvent quand on parle de ce conflit et qu'on parle de l'Ukraine et de la Russie, c'est les rapports qu'avaient ces deux pays, en fait. Et qu'est-ce qu'a changé cette nouvelle phase de guerre ? Ça, c'est une question un peu collective. Comment vous ressentez ? C'est-à-dire le rapport avec la langue russe, le rapport avec la Russie, la question de... Est-ce que la Russie est vue aujourd'hui encore plus comme une nation impériale ? Enfin, voilà, je ne sais pas si Yulia, Anna... Je vais partir du bas, précisément, de mes discussions sur le terrain, mais ce processus de distanciation par rapport à la Russie, on l'observe en Ukraine depuis 2014, une fois de plus, puisque cette thèse de la centralité de l'agression russe dans la guerre du Donbass, elle s'est quand même imposée en grande partie à la fin au niveau du discours officiel, du narratif officiel de la guerre. Et donc pour les Ukrainiens, c'est une guerre russo-ukrainienne qui dure depuis 2014, dans des formes différentes et de phases différentes. Mais il s'est imposé aussi pour beaucoup de populations, notamment les personnes qu'on a évoquées, les bénévoles, donc les personnes les plus actives qui se sont très rapidement mobilisées dans la continuité du Maïdan, donc dans l'assistance à l'État, tout simplement, en soutien à l'État ukrainien qui était incapable de gérer les conséquences. Donc tout ce qui est aide aux déplacés internes ou encore aide aux militaires, évacuation, etc. Et donc cette dynamique, par exemple à Kharkiv, je l'ai vue précisément auprès du groupe sur lequel j'ai travaillé, les femmes bénévoles, la façon, à partir de 2016, plus ou moins à la fin de 2016, elles basculent dans leur communication publique vers l'ukrainien, alors qu'on est dans une métropole quand même largement russophone.
elles utilisent de plus en plus souvent l'ukrainien, même si la pratique résiste, c'est assez difficile, tout en ayant bilingue et passif, de transformer ce bilinguisme en pratique active des deux langues. Mais cette distanciation était déjà là. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a d'autres segments, de nouveaux segments qui sont touchés, bien évidemment, par ce travail de distanciation, parce que la Russie incarne l'ennemi, de par notamment aussi, non seulement l'acte d'agression, mais c'est aussi toutes les violences faites aux populations civiles. Et donc j'ai vu beaucoup d'autres personnes, notamment dans mon cercle assez proche, des gens qui me parlaient russe et ont discuté plutôt en russe, qui sont passés à l'ukrainien et qui refusent tout simplement toute discussion en langue russe. Donc on voit de nouveaux pans de la société, et ce que nous disent à la fois les sondages, mais c'est aussi un certain nombre de collègues, je pense notamment à ce collègue ukrainien Volodymyr Kulik, qui travaille depuis de longues années précisément sur l'évolution de la pratique. D'après lui, cette agression finalement met un terme aussi à cette diversité identitaire et linguistique qui était en Ukraine, puisque précisément du fait du rejet de la Russie. Et après, un autre élément peut-être que je voulais souligner, une fois de plus, tout en restant au niveau micro et pas du tout du point de vue des décideurs politiques, c'est cette rupture du lien social jusque dans la famille. Parce qu'effectivement, un des premiers voyages au mois de mai dans les territoires qui étaient libérés, Tchernigiv, Soumy et Kiev, et surtout Soumy et Tchernigiv, alors qu'on est à proximité précisément de la frontière russe, à Tchernigiv aussi biélorusse. Donc des gens qui avaient et ont toujours de la famille en Russie, voilà, cette incompréhension totale qui s'installe, cette rupture du lien au point où les gens ne se parlent tout simplement plus, parce que du côté russe, je pense que les proches étaient effectivement dans ce récit officiel d'opération éclair et de libération donc du nazisme, qu'ils essayaient de faire entendre à leurs proches qui eux-mêmes vivaient des situations de violence extrême tout simplement dans ces régions-là, et donc cette violence laisse nécessairement des traces et marque une rupture. Je ne sais pas si combien de temps il faudrait pour essayer de réconcilier au niveau très très petit, très très familial. Je pense qu'Anna aura plein de choses à dire là-dessus, mais parfois la question linguistique, elle se joue vraiment à l'intérieur même d'une famille. Il faut comprendre ça quand on parle de l'Ukraine. Les générations. Moi, j'ai rencontré des gens des femmes et des hommes qui sont passés à l'ukrainien de manière manière volontaire que vous décrivez. Mais qui du coup se retrouvent en difficulté même à comprendre pourquoi leur mère ou leur père continuent de parler russe, parce que ça relève évidemment d'un choix politique. C'est pas du tout la langue de l'intime, la langue de la maison, et certains ont fait le pas, d'autres ne l'ont pas fait. Certains vivent avec aussi une forme de violence, le durcissement à nouveau législatif vis-à-vis du russe qui a plein de raisons, mais il y a des centaines de plaintes à l'ombudsman ukrainien, au défenseur des droits ukrainien sur cette nouvelle législation sur la prédominance de l'ukrainien dans la sphère publique. Donc c'est à la fois des décisions politiques, mais c'est aussi des décisions qui vont provoquer, pas des ruptures, mais des malaises même dans la communication au sein de la société. Effectivement, on le voit déjà au niveau des débats, même ne serait-ce que sur les réseaux sociaux, des gens assez proches qui peuvent se voir reprocher effectivement la pratique du russe ou de... Ce qui ne suggère aucune connivence avec les Russes. Anna, sur cette question. Alors, peut-être pas sur la question de la langue, mais sur la question de la rupture, en complément, pour évoquer un autre niveau, au niveau des intellectuels, il y a deux concepts qui sont utilisés pour caractériser le rapport avec la Russie actuellement, c'est le concept de colonialisme et le concept de génocide. Le concept de colonialisme consiste à dire que, en fait, cette guerre, et c'est relayé par une série de penseurs occidentaux également, comme par exemple l'historien Timothy Snyder, cette guerre est une guerre coloniale, que tout le rapport construit entre la Russie et l'Ukraine était un rapport colonial, et que toute cette hybridité et mixité est en réalité non pas librement consentie, non pas appropriée par les personnes, mais le résultat d'une imposition par la violence. Et donc, en fait, ça amène à reconsidérer, par exemple, son propre passé, ce qu'on a étudié dans la langue qu'on a parlé, qu'on suppose qu'il nous a été imposé, en fait, par la domination russe, mais aussi les livres qu'on a lus, parce qu'on a lu de la littérature russe à l'école ukrainienne, et donc, ce n'est plus acceptable. Ce qui provoque d'ailleurs une incompréhension fondamentale entre les Russes, y compris ceux qui sont opposés au pouvoir de Poutine, et les Ukrainiens. Les Russes vont dire, oui, mais Pushkin, le grand poète Pushkin, qu'est-ce qu'il a fait dans cette guerre? Il n'a rien fait. Mais les Ukrainiens vont leur rétorquer, mais en fait, pourquoi nous, si nous, les Ukrainiens, devons nous préoccuper de Pushkin,
Pouchkine, c'est que vous cherchez à nous l'imposer comme une culture légitime qui n'est pas la nôtre. Voilà. Donc, bien évidemment, en faisant ça, on efface toute une série d'expériences de vie qui étaient précisément ces expériences de mixité, d'hybridité, etc. Et je pense que tous ceux qui ont vécu dans une situation post-coloniale, ça rejoint tout un tas d'histoires que nous connaissons aussi dans nos sociétés. Alors, l'hypothèse génocidaire vient en complément de l'hypothèse coloniale, et notamment, elle est extrêmement répandue depuis que l'on a découvert les actions de l'armée russe dans les territoires qui ont été libérés, Boutcha, Irpin, etc., la très grande violence à l'égard des civils, et qui inscrit, je dirais, cette guerre dans une continuité de génocide, et notamment qui établit très clairement un lien entre les génocides, la grande famine des années 1930, qui est officiellement considéré comme génocide opéré par Moscou sur l'Ukraine, sur l'Ukraine et sur le peuple ukrainien, et en fait cette guerre dont l'objectif vu et interprété, c'est l'éradication du peuple ukrainien. Donc bien évidemment, quand on parle colonialisme, on peut avoir en compte des comptes à régler, hein. Je dirais qu'on peut envisager une issue où on pèse les pour et les contre, on distribue, je dirais, voilà, ce qui devrait être conservé, ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, possible à la sortie du colonialisme. Quand on parle d'une approche génocidaire, là, on est dans une rupture d'un niveau tout autre. Et je dirais que ce qui compte aujourd'hui, ce n'est pas tant, je dirais, la définition de ce que la Russie a fait sur le terrain, parce que, bien évidemment, la définition de génocide ou pas génocide sera faite a posteriori. Mais ce qui compte, c'est que les Ukrainiens ont cette conviction-là. Karine ? Et juste pour revenir sur la langue, parce que ce que je trouve intéressant, c'est que le pouvoir russe a quand même misé sur ce qu'il pensait être une division de la société ukrainienne entre les russophones, ukrainiens russophones et les ukrainiens ukrainophones, et que cette division n'a pas eu lieu, puisqu'effectivement la société a tenu par-delà cette différence, puisque comme ça a bien été expliqué sur ce plateau, les langues se parlaient de manière complexe, y compris jusque dans les familles. Et ce qui est intéressant quand même, c'est qu'au moment de l'occupation et dans les territoires occupés, le pouvoir, l'occupant russe, le pouvoir russe a tout de suite essayé d'imposer sa langue, et notamment dans l'éducation. C'est-à-dire que les professeurs, les enseignants qui ont accepté de continuer de travailler, donc qui ont collaboré avec l'occupant, ont donc accepté de parler en russe désormais à leurs élèves, d'être payés en roubles, et de suivre les programmes russes. Et pour certains enseignants, sont allés se former pendant l'été qui a duré l'occupation à Koursk, donc de l'autre côté de la frontière. Et alors, je trouve que ça permet de comprendre que ce débat qui naît aujourd'hui dans la société russe sur la nécessité de parler, d'imposer l'ukrainien comme un bien national. Et cette expérience, c'est l'expérience de l'université Mohyla, qui est très contestée d'après ce que j'ai compris, et que, par ailleurs, je trouve pas inintéressante, qui est de dire, à partir de maintenant, donc c'est une décision qui a été prise par l'ensemble du collectif enseignant, mais aussi dans ce comité, dans cette instance dirigeante de l'université, se trouvent aussi des représentants des étudiants. Donc, décision de bannir le russe du campus. Alors, décision sans doute un peu symbolique, puisque d'abord, le russe n'était pas parlé dans les cours, puisque les cours étaient donnés en ukrainien ou en anglais. Donc, voilà. Mais donc, là, l'idée, c'est d'aller un peu plus loin, c'est de faire en sorte que sur le campus, les élèves entre eux ne puissent pas parler russe. Il n'y a pas de sanction qui est prévue, donc c'est pas une décision. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que le défend le président de cette université. Il a rétro-pédalé un petit peu. Lui le motive en expliquant que c'est pas une décision allant à l'encontre des libertés individuelles, mais une nécessité dans un pays qui a été l'objet de diverses colonisations, d'abord l'Empire russe, puis l'Union soviétique, et maintenant à nouveau de cette guerre de type post-colonial, de redonner sa force à l'ukrainien, et en expliquant que le russe n'a pas besoin de soutien dans un moment comme celui-ci, mais que l'ukrainien, oui. Voilà. Mais en tout cas, voilà, pour dire que ça va jusque-là, des décisions comme celle-ci. Mais par ailleurs, moi, ça m'intéresserait de vous entendre sur cette décision, parce que je sais qu'elle a été, considérée de manière très spécifique. Je pense qu'elle est intéressante, notamment, à la fois, on comprend cette volonté, effectivement, de promouvoir l'ukrainien, surtout que Kiev Mohyla, effectivement, c'est une université à la fois très réputée, une réputation internationale, des coopérations extrêmement fortes,
l'université qui était toujours à la pointe précisément de ces politiques voilà, de promotion de la langue nationale, de l'identité nationale, de construction nationale. Donc ce n'est pas étonnant que le recteur ait pris cette décision dans ce contexte précisément voilà, où la violence à l'égard des civils fait que tout ce qui est russe, la langue russe, est entièrement rejeté. Mais dans le même temps, j'ai trouvé intéressante cette séquence où elle a suscité du débat. Mmh. Et ça montre aussi que malgré la loi martiale et malgré toutes les tensions qu'il y a déjà dans la société, le débat continue précisément. Bon, c'est une question clivante, c'est pas nouveau en Ukraine, cette question linguistique, elle est clivante. Mais dans le même temps, d'autres voix qui sont élevées en disant que c'est quand même une intrusion dans l'espace privé aussi, si on interdit de parler russe dans le campus, qu'il y a quand même aussi une grande partie de la population, des populations qui pratiquent le russe, tout en comprenant l'ukrainien. Voilà. Donc, à la fois, ça ne m'a pas surpris cette décision dans ce contexte-là, mais c'est plutôt, j'ai été rassurée voilà, par rapport au débat sa réaction aussi, parce que finalement, il a bien reconnu qu'il ne peut pas s'ingérer jusque dans l'espace privé des étudiants ou des enseignants et qu'il n'y a pas de sanctions. Et donc, du coup, effectivement, ce n'est pas une interdiction, c'était sa manière de se sortir finalement de ce débat. Donc, si je vous comprends bien, au-delà de l'image qu'on a de l'unité nationale ou de l'exaltation des héros, il y a quand même encore, en tout cas dans cette société, une possibilité de débat, de critique du pouvoir, du régime, enfin de la démocratie ukrainienne. Tout à fait, il est possible et il est limité. Une fois de plus, l'Ukraine vit sous la loi martiale, donc ça impose un certain nombre de restrictions en termes de liberté, ça impose un certain nombre de restrictions en termes de fonctionnement institutionnel, tout simplement pour des raisons de sécurité. Voilà, il y a beaucoup moins d'informations, par exemple, que ce qu'on avait auparavant sur le fonctionnement du Parlement. Juste pour prendre cet exemple-là. Mais dans le même temps, on voit que le débat reste vif, qu'il y a un certain nombre d'hésitations. Prenons un autre exemple, la corruption, la lutte anticorruption, qui est excellent exemple à cet égard. C'était au mois de janvier, les journalistes d'investigation ont porté à la connaissance du public plusieurs enquêtes, notamment sur la corruption dans l'armée, le ministère de la Défense, sur les approvisionnements, les denrées alimentaires achetées à des prix exorbitants pour les soldats. Et donc les journalistes d'investigation, Donashe Grosh et Ukrainska Pravda, ils ont fait part de leur hésitation. Précisément, est-ce que dans ce contexte de mobilisation, d'union sacrée, est-ce qu'ils ont le droit ou pas, en fait, en tant que citoyen, et le devoir, en tant que citoyen et en tant que journaliste, d'informer? Ou est-ce qu'ils doivent essayer de taire ces informations? Et face, effectivement, à un certain nombre de dilemmes qui se sont posés à eux, ils ont décidé quand même de rendre public, notamment parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont engagés dans l'armée, qui donnent leur vie, et que, enfin, n'ayant pas d'éléments sur le nombre de pertes, on pense qu'elles sont aussi importantes en Ukraine. Et ils ont pensé que quand même, au-delà des restrictions, c'est leur devoir aussi d'informer et d'alerter. Et on a vu que la réaction, finalement, les pouvoirs publics ont réagi aussi. Il y a eu des changements au niveau des vice-ministres. Enfin, et aujourd'hui, il y a 3 nouvelles nominations, dont certaines viennent précisément de ce milieu de la société civile pour travailler sur ces questions. Et est-ce que ce n'est pas justement un argument de la... Enfin, ça fait partie de l'argumentaire ukrainien sur la différenciation avec la société russe. Mm-hmm. Cette affaire de corruption a été beaucoup commentée comme ça. C'est-à-dire, regardez ce que nous sommes capables de créer comme élément disruptif dans un contexte de guerre, mettant en péril quand même nos propres institutions, la solidité de l'exécutif, ce que ne pourrait pas faire la Russie. Donc est-ce que cette analyse, cet argumentaire développé par les Ukrainiens et par les Occidentaux, il est valide d'une certaine manière quand on regarde la société russe ? Oui, bien évidemment, dans la mesure où effectivement l'approche de la corruption, et notamment de la corruption dans les forces armées, est extrêmement différente. Et je dirais qu'aujourd'hui, elle ne va faire qu'augmenter avec l'augmentation des budgets consacrés à l'opération militaire spéciale, donc à la guerre conduite dans ses différentes dimensions. Et le président Poutine le dit très explicitement que l'économie va se mobiliser entièrement au service de cette guerre et que des ressources importantes seront mises en œuvre. Alors, c'est vrai qu'il n'a pas besoin, je dirais, de s'adresser à sa population sur le sujet de la corruption. C'est un sujet qui est relativement peu abordé par le pouvoir russe. Il était plutôt abordé par Alexei Navalny et son équipe qui s'oppose au pouvoir. La corruption fait partie d'un mode de distribution de ressources relativement légitime, en fait, en Russie. Et puis, je dirais, le regard international ne compte pas. Et je pense que il y a une double dimension dans la lutte anticorruption et l'affichage de la lutte anticorruption en Ukraine, à la fois vis-à-vis
vis-à-vis effectivement de son propre devoir citoyen, de sa population et de l'engagement de chacun dans l'opération, dans la guerre en l'occurrence. Et d'un autre côté, effectivement, ce que l'on doit montrer à la communauté internationale, surtout maintenant où l'aide est importante, l'aide financière et l'aide militaire. Et donc, je dirais, révéler ça donne confiance. Merci à vous quatre pour ce débat très intéressant. Nous allons poursuivre avec un deuxième plateau. Donc Karine et Anna, vous restez avec nous. Et nous serons rejoints par Edoui Plenel, directeur et cofondateur de Mediapart, et Cédric Mas, historien militaire et chroniqueur régulier pour Mediapart. Mais avant, nous sommes avec Martha Avrichko, spécialiste de la Shoah, depuis la Suisse, où elle a trouvé refuge avec son fils après l'attaque russe. Martha, vous êtes directrice de l'Institut d'études interdisciplinaires au Mémorial de l'Holocauste de Babi Yar à Kiev. Bonjour Martha. Hello, nice to meet you. So Martha, why do you think it's so important for the Europeans not to be bystanders in this war? It's a very important question for me personally. I am a Holocaust scholar and I know that we can teach our youth, our students, to recognize language of hate, to fight against racism, sexism, anti-Semitism, and other forms of discrimination and hate, and at the same time to be a bystander and to just look at the tragedy that unfolding right in our eyes. And the history of the Holocaust teach us that many people, they choose to turn their eyes and to look away. Even those who had resources to act, to fight, to help other people. And in these situations, those people became not bystanders, but complicit. They became even perpetrators and agents of violence. We observe that Russia nowadays enjoying this level of impunity. This is continuum of impunity after aggression against Georgia in 2008, after occupation of Crimea, after occupation part of Donbas. Many people pretended that nothing happened, that they can continue their policy of appeasement like it was with Hitler before the World War II. And we observe the same nowadays. So all those people who are trying to make business as usual, not to bother themselves with all these, you know, terrifying news, somehow nowadays are complicit in this huge tragedy that is unfolding in Europe. So I believe it's very, very important for all of us not to be a bystander, to take action, to raise our voices and to use our power to set an example for our children and to make our world more safe and full of justice. So if I understand well what you're saying, it's important to support the Ukrainian people because it's not a question of Ukrainian democracy, but more broadly, it's about the democracy in Europe? Yes, for sure, indeed. What we observe now in Russia is the rise of tyranny, is the rise of autocracy, is the rise of, you know, lack of democracy in general, is a brutal violation of human rights. We observe that Russian regime, sometimes they even don't let their women and men, their people, to mourn, to protest, to express their free will, to express their free thoughts. And it's very, very important to stop this, to help Russia turn into democracy. And Ukraine people are willing to contribute to these joint efforts to make Russia a democratic state. Because it's a question not only of security of Ukraine, but basically security of the entire world. Russia nowadays is undermining the whole concept of world security. And it's very, very important to face this together.
But what do you say to the people who say that it could the war in Ukraine and giving more arms to Ukrainians could lead to a nuclear war and we have to listen to the Putin's demands? I believe it's the wrong idea because what we know from Putin's policy in previous year, we can't just let him to do what he wants because he's going further and further. You know, some people even in Ukraine sometimes they express this idea, okay, maybe we just let him take Donbas, Crimea, and the war will stop and suffering will stop. It's the wrong idea. Putin will never stop because Putin and his inner circle belong to the people who really believe that Soviet Union should be restored. He claimed that the collapse of Soviet Union was the biggest tragedy. And for him, it's the aim of his life to restore this great empire, basically where Russia will be in the center. So we can't let him do that because after Ukraine will be Poland. After Ukraine will be, you know, Latvia, Lithuania, Estonia, and other states. And this fear in these countries is very present because they remember this period of Soviet occupation. They remember this period of fear, repressions, and basically deaths. And Ukrainians have this long, long history of struggle with Russian imperialism. And what we need now to support Ukraine's struggle for independence and to provide any means to stop this aggression, to stop this evil. So you're a historian of Holocaust. How do you react to the way Vladimir Putin is using the history of the World War II? What we observe now from the very beginning of Putin's angry speech on the eve of 24th February, he's misusing the history of the World War II and the Holocaust. It's a poor Holocaust distortion. We observe how they call all the Ukrainians Nazi collaborators, despite the fact that 6 or even 7 million Ukrainians fought in the ranks of Red Army. Thousands of Ukrainian soldiers fought in Polish Army and faced Nazi aggression in 1939. Ukraine, as other countries during the World War II, including France, has its own complicated past. I mean, this past is connected to the collaboration with Nazi, because Ukrainians really believe that Nazi could restore Ukraine independent state. But after the refusing to do that, many of Ukrainians, they went into partisan movement and they start to fight both against Nazis and then against Soviet regime. So when Putin is talking about the World War II and the victory in World War II, it's about stealing of joint victory. He's claiming that Russia would defeat Nazis without Ukrainians, without Western support, but it's not true. And I believe it's very important nowadays during Holocaust education, during our teaching courses, to explain people that claims about denazification, it's a poor distortion of history. We can't allow politicians to use history of sufferings in previous time to justificate another war crimes and to justificate another war. It's very important to understand and just stop it. I want to say that Lavrov, for example, he even used the claim that Russian people nowadays are similar to Jewish people. So it's poor, and it was a huge outrage and protest from Israeli side because it's a pure distortion of history. Russia is trying to pretend and portray itself as a victim of the West, but it's not true. Russia is an aggressor nowadays. It's a perpetrator who commit war crimes, crimes against humanity, and wages genocidal war against Ukraine and threatens its neighbors in other countries.
So you worked on the sexual violence used by the Soviet army during the Second World War, at the end of the Second World War in Ukraine. Is there something peculiar in this new war? You know, for decades after the Second World War, many historians, many anthropologists, many politicians, lawyers were trying to join their efforts in order to combat sexual violence in war, in order to prevent sexual violence in war, to develop legislation, to make the idea of sexual violence as a war crime, a crime against humanity, very clear, and to punish it properly. And I, as a historian of the sexual violence during World War II, I really expected that during this war, we would not see the same patterns of violence, brutal, gun rape, which accompanied with, you know, broken arms, was accompanied with brutal physical violence, with killing of people. But what we observe now in Ukraine, so many children are raped, some of them in front of their mothers. Many of those rapes and sexual crimes are committed in Bucha, for example, against 9-year-old, 11-year-old children. Some of them were killed afterwards. And I couldn't even imagine that what I was studying and wrote about, I will observe today. And perpetrators would be those who claim that Ukrainians are their brothers. And from those who claim that Ukraine and Russians are the one people. And it's very, very important to learn. It's a powerful lesson for all of us that our efforts were not sufficient and we should take more actions to stop this mass sexual crimes and to help survivors and their family members. Thanks, Marta, for answering to Mediapart. Merci beaucoup, Marta. Nous avons été rejoints par Edoui Plenel, fondateur de Mediapart, pour ce second plateau, et Cédric Mas, donc, qui collabore régulièrement pour Mediapart sur une chronique militaire. Anna, comment vous réagissez aux propos de Marta Avrichko? Alors, Marta a dit beaucoup de choses, hein, et son propos est très riche et d'autant plus nourri que c'est un propos d'historienne qui est capable de mettre en parallèle des crimes de guerre perpétrés dans d'autres contextes. Et donc, ça en appelle effectivement à la fois à notre rôle citoyen, mais aussi à notre qualité d'être humain qui ne peuvent laisser passer ça. Je pense que dans le message qu'elle nous envoie de... Il ne faut pas rester passif, il ne faut pas observer ça passivement. Il y a ça, hein, et cette dimension, on pourra en parler, mais je voudrais évoquer une autre dimension. Vous voyez, la question que l'on se pose forcément vue d'ici, vue de Paris, c'est à quel point est-ce que nous sommes menacés? Hein, est-ce que nous sommes menacés par cela aujourd'hui? Et c'est une question, vous voyez, à laquelle je n'ai pas de réponse parce qu'elle est complexe et n'engage pas seulement des éléments de sociologie ou de sciences politiques, mais je m'interroge, je ne cesse de m'interroger sur la portée du discours de Vladimir Poutine sur cette guerre, qui depuis notamment l'automne est cadré non pas comme une guerre contre l'Ukraine, mais comme une guerre contre l'Occident collectif. C'est un message que nous entendons en permanence. Alors, il est répété en interne, hein, cette idée que non, en fait, ce ne sont pas des Ukrainiens que nous combattons sur le terrain, les Ukrainiens ne sont qu'une marionnette. En réalité, nous combattons contre un Occident collectif qui cherche à nous... qui est le véritable adversaire. Alors, il est... Vous voyez... On peut dire que c'est un élément de rhétorique destiné à mobiliser la population russe et finalement à rendre acceptables les échecs de l'armée russe sur le terrain. Mais je dirais que cette année nous a appris quelque chose, qu'il est nécessaire de prendre au sérieux et de prendre aussi par moment au premier degré ce que le président russe dit dans ses allocutions publiques. C'est-à-dire, est-ce que cette conviction, il ne la partage pas aussi avec un grand nombre d'élites politiques, avec un grand nombre d'élites militaires? Et est-ce qu'au fond, ce n'est pas une manière qu'il a d'envisager cette guerre? Auquel cas, vous voyez, ça nous concerne non pas seulement en tant que, je dirais, ceux qui ne peuvent pas rester témoins passifs, mais également cette guerre nous concerne très directement parce que nous sommes désignés comme étant l'adversaire. Et donc ça, nous devons d'une manière ou d'une autre y répondre. Le tout, c'est de savoir de quelle manière. Karine ?
Moi, ce qui m'a intéressé dans ce qui a été dit, c'est ce qui a été dit sur la complicité de la société russe, parce que je l'ai entendu très fort dans les reportages que j'ai effectués là ces derniers jours, et une forme de radicalisation des uns et des autres qui, il y a un an, parlaient de détestation de Poutine et qui, désormais, côté ukrainien, parle de détestation des Russes. C'est vraiment de la haine que j'ai ressentie de la part des personnes que j'ai pu rencontrer et qui s'explique par le fait qu'il y ait eu très peu de mobilisation de la part des Russes à l'intérieur du pays, mais aussi à l'extérieur. Je pense que beaucoup espéraient, de la part des exilés, un geste, des mouvements, peut-être des manifestations dans les capitales européennes ou à l'étranger, là où les Russes ont trouvé refuge, et que aucun signal n'est venu de nulle part. J'ai l'impression que c'est créé là vraiment une différenciation dans l'attitude ukrainienne telle qu'en tout cas elle se construit, peut-être elle se mythologise un petit peu aujourd'hui. Sur nous, on est un peu qui n'attend pas des instructions du pouvoir. On est un peuple qui agit, qui se mobilise, en référence à la révolution de Granit de 1990, de la révolution orange de 2004, de la révolution de Maïdan de 2014, où les Ukrainiens sont sortis, ce sont des protestations populaires contre l'État, et où les gens ont obtenu, pour la plupart des cas, de tous ces cas, ont obtenu gain de cause. Ils sont sortis dans la rue contre leur État, contre les institutions, et ont obtenu soit des réformes, soit la destitution des présidents. Et donc, ils ont obtenu la conviction qu'en agissant, en s'auto-organisant, comme disait très bien Yulia tout à l'heure, en s'auto-organisant, en faisant les choses par eux-mêmes, ils obtiennent des résultats. Leurs actions sont efficaces. Et donc, j'ai l'impression que ce sentiment de détestation à l'égard des Russes naît du fait que se disent « c'est possible, en fait, de résister, même à son niveau, y compris contre un État fort, y compris contre un État autoritaire ». Et que là se joue une distinction très forte entre les Ukrainiens et les Russes aujourd'hui. Cédric Alors, beaucoup de choses ont été évoquées déjà. Moi, j'aimerais insister sur le fait que le discours de responsabilisation collective est quand même essentiellement destiné à l'Occident. Et il fonctionne plutôt bien pour l'instant, hein, jusqu'à preuve du contraire. Ça reste un succès du récit ukrainien, ou en tout cas un échec du récit russe qui reste partiel et surtout fragile. Mais je pense qu'il faut aussi basculer dans un autre discours dans lequel nous ne sommes plus légitimes. Parce que je crois que, justement, le levier de la lutte contre de revanche contre un Occident dominateur, spoliateur, humiliant, c'est quelque chose qui résonne beaucoup dans le reste du monde et qui doit, à un moment donné, nous interroger. Lorsque j'étudiais les narratifs de l'État islamique, il y avait déjà ces leviers-là. Sauf que les outils de terrorisme ont fait qu'ils ont été rapidement insuffisamment efficaces, heureusement d'ailleurs. Mais là, on a à peu près des mêmes mécanismes qui expliquent pourquoi la question de cette attention, de ce soutien international doit vraiment dépasser les sphères des opinions publiques occidentales. C'est important, évidemment, mais ce n'est pas suffisant. Il n'est absolument pas satisfaisant de voir que l'Afrique, qui sont des anciens pays colonisés, ne soutiennent pas une ancienne colonie réenvahie par sa puissance impérialiste colonisatrice. C'est quelque chose qui peut choquer le bon sens. Et pourtant, dès qu'on en discute, ils réalisent les choses. Mais ils n'entendent que la première partie de la phrase. De toute façon, c'est l'Occident qui a humilié. Et donc, un pouvoir qui veut se venger de l'Occident, eh ben, aura toujours l'amitié ou en tout cas l'inclination plutôt favorable des autres populations. Et donc, ben, ça nous renvoie une image avec laquelle, à un moment donné, il va falloir qu'on fasse le bilan de savoir tout ce qu'on a mal fait, tout ce qu'on n'a pas fait, toutes ces fautes, tous ces crimes de guerre, toutes ces invasions pour lesquelles nous avons refusé d'être jugés, par exemple, hein, suivez mon regard, et donc aujourd'hui qui nous renvoie à cet élément-là. Donc il y a cet aspect de narratif-là, et puis la deuxième chose, c'est ce conflit sur l'attention. Hein, dans un conflit informationnel, il y a lutter pour l'attention, que l'Ukraine ne passe pas à l'arrière-plan par rapport à d'autres éléments. Pour l'instant, l'Ukraine est toujours au cœur des préoccupations en Europe. C'est heureux, mais là encore aussi, il faut éviter ce que les Ukrainiens parlaient de l'Ukraine fatigue, hein, c'est-à-dire l'usure et le fait que ça passe à un moment donné à l'arrière-plan, les bombardements, les massacres, les crimes, voilà, soit oublié.
Edoui, on termine ce tour de table. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Il faut ici qu'on sorte un peu de notre zone de confort. Il ne s'agit pas simplement, comme disait Martha, de ne pas être indifférent à des crimes ou désastres de la guerre et à des crimes, y compris contre l'humanité. Enfin, parlons de la déportation des enfants qui est dans ce registre-là. Il s'agit de comprendre qu'on a de l'inédit en face de nous. J'ai été très surpris parce que j'ai pris le temps de lire le petit opuscule d'Edgar Morin, qui vaut mieux que simplement dire « sa copie est nulle et il a 101 ans et il fait des erreurs ». Dans ce petit essai, qui est un appel au pacifisme à la Romain Rolland, cet homme qui a longtemps pensé l'événement, justement, l'inattendu, il ne parle que de la répétition du même. La guerre est un désastre, bien sûr qu'elle est un désastre, et bien sûr que l'engrenage de la guerre, on voudrait qu'il s'arrête. Mais il ne voit pas l'inédit. Lui, il ne voit pas l'inédit. Lui, qui a été un sociologue de l'événement et de l'inédit. Et l'inédit, on l'a beaucoup documenté, c'est évidemment ce nouveau visage du pouvoir russe, ce nouvel impérialisme. Pas seulement un impérialisme agresseur qui agresse un pays souverain, une démocratie, l'autodétermination des peuples, comme il l'a fait déjà ailleurs, mais un impérialisme avec une idéologie spécifique. Et je suis d'accord avec ce que disait Anna, il faut prendre au sérieux le discours de Poutine. Quand Poutine parle de l'Occident collectif à l'idéologie nazie et qu'il dit aussi qu'il est satanique, c'est exactement ce que dit dans d'autres lieux Alexandre Douguin, qu'on prend comme un folklorique, mais qui est néanmoins le symbole, y compris le compagnon intellectuel de l'extrême droite intellectuelle française, d'Alain de Benoist, du Grèce, depuis plus de 30 ans. Et donc, on voit une idéologie identitaire, on voit la chasse aux minorités, la persécution des LGBT, sans compter, évidemment, toute la vitrification d'une société. Et donc, du coup, on l'avait dit il y a un an, en disant qu'on appelait à un sursaut internationaliste, je crois que la leçon que nous donnent les Ukrainiens, le peuple ukrainien, pourquoi y a-t-il eu tant d'aveuglement en France et pourquoi ça persiste dans l'absence de débat politique? Pourquoi Emmanuel Macron continue à écouter Jean-Pierre Chevènement et Nicolas Sarkozy qui ont adoubé toute la politique poutinienne? Pourquoi, hélas, du côté de Jean-Luc Mélenchon, de la France insoumise, il n'y a pas non seulement de mobilisation, mais même de remise en cause de toutes leurs bêtises, de tous les aveuglements qu'ils ont pu écrire? Parce qu'ils sont dans des logiques d'État, parce qu'ils sont dans des logiques de puissance, parce qu'ils ne voient pas l'autonomie des peuples. Ils ne l'ont pas vu sur la Syrie, ils n'ont pas vu que c'était un peuple en Syrie. Et du coup, on l'a laissé, ce peuple, on l'a laissé tomber, et dans un martyr terrible, et face à un état de barbarie. Et ils ne voient pas, et ils n'ont pas vu, évidemment, ce qui a été très bien dit tout à l'heure, ce soulèvement et cette mobilisation formidable d'une société qui a ses débats, qui a ses conflits, qui discute, y compris aujourd'hui, quand il y a un peu de russophobie, on voit sur les réseaux sociaux des Ukrainiens qui disent « Non, non, c'est pas ça qu'on veut faire ». Du coup, le problème qui nous est posé, je crois, et que disait très bien Martha, c'est le but de guerre. Il y a un vrai but de guerre qui n'est pas simplement de se dire que la paix passe par le soutien au peuple ukrainien et qu'il faut défaire Poutine. Il faut défaire Poutine. Il ne nous laisse pas d'autre alternative. Mais le but de guerre, et Cédric vient de le dire, c'est aussi, mais au nom de quoi fait-on cette guerre? Au nom d'un droit international? Au nom de la Déclaration universelle des droits de l'homme? Au nom de l'idée qu'il y a un genre humain? Au nom de l'idée qu'il y a une égalité sans distinction d'origine, de culture, de nation, de sexe, de genre, de croyance? Et dans ce cas-là, il faut qu'on réfléchisse. Il faut qu'on se dise, mais qu'est-ce qu'on a fait ailleurs? Qu'est-ce qu'on fait, pas seulement ailleurs dans le passé, mais aujourd'hui? Si on est du côté de l'Ukraine, on doit être du côté des Palestiniens aussi, dans ce même moment. On ne peut pas, parce que c'est l'Europe, tout d'un coup avoir un réveil aveugle qui ne nous permet pas de parler au Sud. Parce que, oui, quand Poutine dit l'Occident collectif, ce n'est pas qu'à usage de propagande. C'est un axe géostratégique. Il veut fédérer tous les ressentiments du monde contre le monde que nos gouvernants ont représenté. Et donc, il y a quelque chose de très sérieux et qu'on voit dans les alliances. C'est quand même, sur les LGBT, ils disent la même chose d'ailleurs, mais c'est les mollahs iraniens qui fournissent les drones, et ça va ensemble, et puis après, des alliances sans principe qui sont une alliance des nationalismes conquérants qui refusent
tout droit supérieurs, qui pensent que ce qui est bon, comme disait Hitler, c'est ce qui est bon pour leur peuple et pour leur nation, qu'il n'y a pas de droit au-dessus d'eux. Hein, toutes les extrêmes droites disent ça partout, où qu'elles soient. Et donc là, il y a un vrai enjeu de sursaut et de pédagogie. Et je pense qu'on doit se désespérer de l'absence de débat politique, au sens politique noble du terme, en France, sur cette question de politisation, de réunion, de discussion, parce que c'est un enjeu qui ne va pas se terminer là, qui est là devant nous. Alors, on évoquait les discours de Vladimir Poutine. On en a eu une nouvelle illustration aujourd'hui, mardi 21 février, parce que Vladimir Poutine s'est adressé aux deux chambres réunies du Parlement. Et Joe Biden, lui, a parlé depuis Varsovie après une visite surprise à Kiev lundi. Dans le discours de Poutine, donc, qui a duré près de 2 heures, on a retrouvé donc ces thèmes, les thèmes habituels de sa paranoïa. Hein, finalement, tout est de la faute de l'Occident, on en a parlé. La démocratie ukrainienne est une bande de nazis. L'invasion de février 2022 s'explique par la survie de la Russie. Ces thèmes, on les retrouve donc depuis un an, comme je le disais. Et puis, c'est un discours belliqueux et violemment occidental. L'élite occidentale ne cache pas ses objectifs qui est, comme ils le disent, d'infliger une défaite stratégique à la Russie. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie mettre fin à notre pays pour tous. C'est-à-dire qu'un conflit local doit entrer dans une phase d'affrontement mondial. Et nous comprenons tout cela. Et ainsi, nous réagirons face à cela. Alors, en fin d'après-midi, Joe Biden s'est également exprimé depuis la Pologne, à Varsovie. Il a vanté l'unité de l'OTAN et la force des démocraties. Alors, Cédric Mas, quand vous écoutez, quand tu écoutes ces deux discours à la fois de Poutine et de Joe Biden, est-ce qu'on est forcément amené à se diriger vers un conflit beaucoup plus large, enfin, un conflit mondial ? Alors, on est déjà dans un conflit qui dépasse largement le front ukrainien au sens strict du terme, hein, puisqu'il y a plusieurs interactions, et on sent bien qu'il y a des poussées, que ce soit au Kosovo, que ce soit ailleurs, on cherche à réactiver, on cherche vraiment à récupérer, comme le disait Edwige, tous les ressentiments et toutes ces failles, ces tectoniques de failles, que nous n'avons pas toujours très bien réglées d'ailleurs, et qui nous, aujourd'hui, ressortent. Mais concrètement, dans ces discours, il n'y a rien de nouveau, hein, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Aujourd'hui, on est sur des même les termes sont déjà largement utilisés. Le vrai enjeu, c'est de connecter ça avec ce qui se passe sur le terrain, où actuellement, c'est la Russie qui a l'initiative parce que les Ukrainiens sont obligés de monter en puissance et que les unités qui se forment au nouveau matériel que nous leur livrons au compte-gouttes, elles ne peuvent pas être sur le terrain en même temps. Et donc, ils sont en train d'utiliser cette initiative pour faire des offensives d'hiver un peu bizarre, hein. Elle a commencé mi-janvier. C'est assez intéressant de voir les pro-russes qui disent qu'elle n'a pas encore commencé, parce qu'en réalité, elle est en train d'échouer à peu près partout, pour l'instant en tout cas. Et donc, c'est la démonstration que sur le terrain, militairement, l'armée russe a dépassé ses limites. Et donc, il ne reste quoi? Il ne reste que de nous affaiblir dans nos perceptions. Vous savez, il y a, dans l'histoire militaire, des batailles qui ont été gagnées sur le terrain, mais qui ont été perdues dans l'esprit des vainqueurs, et donc qui ont amené les vaincus à gagner. À l'inverse, on a des moments de résistance alors que tout était perdu, qui ont amené plus tard les vainqueurs. Et donc un des vrais enjeux pour le printemps et l'été prochain, lorsque les Ukrainiens pourront déployer, s'ils le peuvent, leurs réserves, si enfin nous leur livrons les armes et les munitions en quantité suffisante, c'est en réalité de travailler sur les perceptions, comme les Russes essaient de travailler, hein, c'est une guerre d'un affrontement des volontés, donc il faut travailler sur les perceptions, et notamment il faut que véritablement ils puissent démontrer que la Russie ne pourra pas vaincre militairement, y compris dans l'esprit des Russes, soldats ou population. Et à partir de ce moment-là, on peut espérer que le régime change de discours, soit contraint, ou même se délite d'une autre manière. Mais tant que les Russes auront l'espoir de victoire militaire, ce qui est l'objet principal des opérations actuelles, montrer qu'ils sont toujours capables de gagner, ou en tout cas de bloquer les efforts ukrainiens, il n'y aura pas d'éléments. Rappelez-vous Churchill en juin et juillet 1940, tous ses discours, c'était maintenir l'espoir alors que tout avait été perdu sur les plages de Dunkerque. Voilà. Eh bien,
quelque part, cette fuite désespérée de ces discours répétés de Poutine et de ses acolytes, Prigogine et autres, c'est ça, c'est de dire non, mais les Ukrainiens ne pourront pas nous vaincre parce qu'on est plus nombreux, parce que les Occidentaux n'ont plus de munitions, parce qu'à un moment donné, ils vont se lasser et qu'à la fin, nous gagnerons de guerre lasse. Mais, et donc, c'est aux Ukrainiens, lorsqu'ils reprendront l'initiative, parce qu'ils en ont les capacités, de pouvoir démontrer que s'ils n'ont pas le nombre, ils ont la qualité et surtout, ils ont le commandement. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est quel est de quoi le commandement ukrainien va être capable au printemps et à l'été. S'il échoue ses contre-offensives, en effet, eh ben, quelque part, le pari de Poutine aura été gagné. S'ils réussissent, eh bien là, on ouvre la porte vers un avenir. De même que entre septembre et mi-novembre, il y a le champ des possibles s'est réouvert grâce aux victoires fulgurantes de l'armée ukrainienne de l'époque. Alors, Anna Colin-Lebedev, j'ai vu que vous jugiez que qualifier le régime de Poutine de totalitaire est académiquement faux et politiquement néfaste. Alors, j'aimerais bien que vous vous expliquiez sur cette... fascisation. Je devrais mettre mon Twitter en confidentiel. C'est trop tard. C'est un bon débat. Pourquoi académiquement faux, hein? Nous avons toutes les définitions du régime totalitaire que nous avons, et nous avons la première définition de Hannah Arendt qui est très, très radicale, et puis ensuite une définition académique qui s'est assouplie, insiste sur effectivement la puissance idéologique et sur le contrôle total de l'idéologie sur l'ensemble des sphères de la vie sociale, qui est quelque chose que nous n'observons pas en Russie, que le pouvoir russe n'a pas été capable et n'a pas souhaité mettre en avant en fait tout au long des années poutiniennes de ces 20 dernières années, bien au contraire. C'est-à-dire qu'on ne demandait pas à la population une mobilisation idéologique au nom d'une idéologie, mais davantage une démobilisation. Et lorsque nous avons décrit le pouvoir russe et le régime russe tout au long de ces dernières décennies, nous l'avons décrit comme un pouvoir sans idéologie, hein, y compris au sein du parti du pouvoir, etc. Alors aujourd'hui, effectivement, il y a une mobilisation politique qui est opérée. C'est-à-dire qu'on demande la loyauté, hein, on demande surtout l'affichage de la loyauté, on demande des actions aux Russes qui confirment qu'ils sont loyaux. Mais je dirais qu'il y a une différence entre la demande de loyauté exprimée dans l'espace public et le contrôle sur les esprits et le contrôle de l'ensemble des sphères de la vie sociale qui, lui, ne s'opère pas. Ne serait-ce qu'au niveau des médias, vous voyez, nous diffusons en fait fréquemment aujourd'hui et il y a des journalistes qui le font avec brio, un certain nombre de morceaux de propagande russe, en commentant et en voyant, vous voyez, le côté très extrême et extrémiste du message qui est délivré à la population. Nous nous interrogeons relativement peu sur la consommation de ces médias par la population, par la réception. Or, en fait, au niveau de la réception, qu'est-ce que l'on constate? On a constaté, par exemple, que les chiffres d'audience baissaient, en fait, proportionnellement à l'intensification du message du matraquage politique, hein, que les gens voulaient des émissions de divertissement et qu'en fait, éteignaient à partir du moment où on était dans ces débats idéologiques. Et puis, de manière générale, je pense que quand on regarde les études qui ont pu être faites sur la réception des médias, on constate bien que l'effet n'est jamais complètement direct. Et je reprendrai, par exemple, un concept qui a été utilisé par un sociologue américain qui s'appelle Richard Hogarth, de consommation nonchalante. C'est-à-dire qu'on regarde d'un œil, on écoute, on capte un certain nombre de bribes, mais on le reconfigure à sa sauce. Et quand on observe les Russes dans leur usage du discours du pouvoir, eh bien, c'est celui-là. Les Russes sont méfiants à l'égard de leur pouvoir. Les Russes sont méfiants à l'égard de leurs médias. Les Russes sont convaincus que tout le monde ment. Peut-être que les autres mentent plus que les nôtres, mais les nôtres mentent quand même. Donc je dirais que voilà, l'imprégnation idéologique, à mon sens, est extrêmement superficielle et elle est peut-être tentée en ce moment par le pouvoir russe, mais on en est très très loin. Alors pourquoi est-ce que c'est politiquement néfaste ? C'est politiquement néfaste parce que je dirais que dans ce cas-là, si on considère qu'on est face à un régime totalitaire, il n'y a plus rien à comprendre. On est du côté des forces du mal, on est du côté d'une verticale où on a un pouvoir qui a la capacité de tout imposer à ses citoyens, et je dirais que ça devient très simple, et l'option de l'écrasement, par exemple, est la seule option qui s'offre à nous. Et je pense qu'il faut s'ouvrir les options de notre manière d'envisager la Russie, d'envisager nos leviers d'influence sur la société russe, nos leviers d'influence sur la politique russe. Cela existe, mais il n'existe qu'à partir du moment où on se dit que c'est plus compliqué que ça. Et oui, j'aurais pas du tout des accords avec ça, au contraire. Et
j'abonde, y compris le mot vertical, le bien, le mal. C'est exactement le discours, vous trouverez la vidéo sur YouTube, de Dugin devant un cénacle là, qui était un peu religieux. Il a fait un discours comme ça, exactement, la Sainte Russie, le bien, le mal, et la verticale. En revanche, là où je ferai une nuance, qui ne concerne pas que le régime de Poutine, qui concerne des forces qui sont présentes en France, qui sont présentes en Israël, qui sont présentes en Iran, qui sont présentes un peu partout aujourd'hui dans le monde. Il y a des processus, et pour reprendre Robert Paxton, grand historien, le fascisme aura différents visages. Il n'a pas une éternité historique qui serait la façon dont ça s'est présenté sous Mussolini, par des élections, je rappelle, en 1922, sous Hitler, par des élections, en 1933. Après, vient des processus différents d'embrigadement ou de totalitarisme sur la société. Le fascisme, quelle est son histoire ? Son histoire, c'est la négation de l'égalité. C'est la négation de l'égalité. C'est la négation de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme, de la Déclaration universelle, nous naissons libres et égaux en droit et en dignité. Les êtres humains sont égaux. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, la banalisation du discours de l'inégalité naturelle est partout. Elle est présente, y compris dans les médias français, elle est présente dans des forces du gouvernement israélien, elle est présente évidemment dans le pouvoir obscurantiste, machiste et patriarcal iranien, elle est présente partout. Donc, actuellement, l'idéologie que promeut Poutine, c'est l'idéologie de ces nouveaux pouvoirs qui ont pour moi, y compris des alliances, pour essayer de comprendre comment il y a ces alliances sans principe, c'est-à-dire qu'ils ont en commun cette idée du « le nationalisme a raison, il n'y a plus d'ordre au-dessus ». Par ailleurs, j'ajouterais, là, ce serait intéressant d'avoir la réaction de Cédric Mas, parce qu'il y a une particularité qu'on a traitée sous la plume de François Bonnet, et je crois qu'il va y revenir dans Mediapart, qui est la particularité d'une puissance dont le clan dirigeant a aussi une dimension mafieuse. Pas seulement une dimension, c'est pas un parti politique avec simplement une idéologie. Donc c'est un paradoxe, c'est-à-dire qu'en dimension mafieuse, les rationalités sont pas totalement étatiques, hein, sont des rationalités criminelles. Et je dirais qu'on en a un symbole terrifiant sous les yeux qu'on traite de manière trop anecdotique, qui nous renvoie presque au Moyen Âge. C'est les seigneurs de guerre, les armées privées avec Wagner projetées sur le continent africain avec des grands bandits, y compris la publicisation qu'on va recruter des bandits, hein, et on a quelque chose qui est quand même là aussi une nouveauté dans cette idéologie-là, très cynique, et probablement qu'ils auraient pu en avoir une autre, etc. Je ne dis pas qu'il y a une essence, hein, derrière tout ça, mais par ailleurs, et avec une logique de voyoucratie violente appuyée sur un État, et ça, je n'ai pas souvenir de cela. Assad. Oui, bien sûr, l'État de barbarie. C'était ce que disait Michel Seurat. Exactement. C'était ce que disait Michel Seurat, et d'où revisiter la scène syrienne est décisif de ce point. Oui, malheureusement, la Syrie, la matrice de tout ça, et il y avait déjà Wagner et d'autres groupes à l'époque, et il y avait à la fois ce mélange d'idéologie, ce mélange de religieux avec les milices Hezbollah et iraniennes, des Afghans recrutés dans les camps de réfugiés. Il y avait aussi des purs chefs de guerre, seigneurs de guerre avec des motifs crapuleux, hein, on pense au Tigre, Tiger ou le 5e corps, d'ailleurs recruté par les Russes, et puis Wagner et quelques autres. La seule spécificité qu'on trouve en Ukraine, c'est quelque chose qui fait que le recours aux mercenaires en Irak par les Américains n'est pas comparable, ou en Afghanistan. C'est l'intégration complète dans l'effort de guerre principal de milices officiellement privés, mais c'est vrai qu'à un moment donné, on se demande s'ils sont encore privés, parce qu'ils sont complètement intégrés dans les chaînes de commandement. Les mercenaires américains s'occupaient de la logistique, ils ne s'occupaient pas de l'effort de guerre, ce n'est pas eux qui ont attaqué à Fallujah, ça reste les Marines, etc. Et bien là, on a vraiment des groupes privés, pas que Wagner d'ailleurs, il y a Patriot et quelques autres, hein, qui sont complètement intégrés dans l'effort de guerre, et parfois ils surjouent les rivalités internes, hein. Il faut se méfier aussi de ces aspects-là, parce que, voilà. Et
plutôt que des voyous, moi je préfère l'aspect crapuleux. Hein, c'est le temps, c'est vraiment l'appât du gain qui les amène à... Mais une milice comme Wagner, par exemple, aujourd'hui, dans l'offensive russe, joue un rôle très important dans la stratégie, dans... Alors, non, ils sont complètement intégrés, c'est-à-dire qu'ils n'agissent pas du tout de manière autonome, c'est-à-dire qu'ils sont intégrés dans les circuits de commandement, leurs efforts sont soutenus par les unités, l'artillerie de l'armée régulière russe, à l'inverse, ils ont leurs propres unités d'artillerie, voire même leurs propres avions, leur propre aviation, donc voilà, donc ils mènent à la fois des opérations où ils cherchent à prendre le lead, mais d'ailleurs justement, les vraies rivalités, c'est surtout quand Wagner affirme qu'ils ont pris telle localité, Soledar notamment, et que les forces régulières russes disaient « Attendez, on était là aussi, c'est nous qui avons nettoyé autour. » Voilà. Mais c'est, la vraie nouveauté, c'est ça. Ce n'est pas l'apparition de ces mercenaires, c'est le fait qu'aujourd'hui, ils ne sont plus sur une espèce de partenariat public-privé sur les facilities, comme on disait, c'est-à-dire la restauration, les camps, les convois de carburant et de matériel qui allaient d'une base à une autre ou qu'on donnait à c'est Liberton ou je ne sais quelle compagnie de mercenaires américains. Bon, non, là non, ils sont vraiment, ce sont des unités combattantes. Mais il n'y a pas que ça. On est dans une espèce de partenariat public-privé, mais c'est un peu ça, parce qu'ils font aussi de l'extraction minière, ils font aussi de l'action diplomatique, ils font aussi de la formation. Donc c'est vraiment, c'est spécifique. Voilà. Anna Colin, sur cet aspect-là. Wagner est un symptôme, et c'est un symptôme du fonctionnement de l'État russe que moi je décris comme un pouvoir politique désinstitutionnalisé. Et en cela, je rejoins ce diagnostic du pouvoir criminel, même si, vous voyez, quelque part, il n'a même pas besoin d'être criminel pour être désinstitutionnalisé. C'est-à-dire qu'on est dans un État où tout repose sur des allégeances personnelles, des relations de confiance personnelles et des dépendances. Des dépendances pour les ressources que l'on a, pour les positions que l'on a, des stratégies de carottes et de bâtons. Et je dirais que voilà, les institutions elles-mêmes sont vidées de leur sens en Russie. Elles le sont de plus en plus. Et cette guerre accentue la désinstitutionnalisation de l'État, c'est-à-dire le personnel et l'influence personnelle de Poutine compte de plus en plus, mais aussi la fidélité et ce qu'on peut apporter au service du pouvoir compte davantage que le statut légal. Donc Wagner, dont le statut est officiellement, je dirais, inexistant, et non seulement inexistant en législation russe, mais interdit. Les compagnies militaires privées sont interdites, et le mercenariat est interdit par la législation russe, joue ce rôle par cette déclaration de loyauté personnelle à l'État. Et je dirais, ça s'accompagne d'autres éléments de désinstitutionnalisation de l'État, comme par exemple la question des frontières. La Russie n'a plus de frontières. Vladimir Poutine a dit dans un discours qui a été beaucoup répété, on lui pose la question où s'arrêtent les frontières de la Russie, et il répond, les frontières de la Russie s'arrêtent où elles veulent. Bon. Aujourd'hui, on pourrait dire que les frontières de la Russie s'arrêtent nulle part, dans la mesure où la Russie a intégré officiellement dans sa législation des territoires qu'elle ne contrôle pas, dans la mesure où, vous voyez, quand on parle des quatre régions qui ont été officiellement annexées, mais de fait non annexées, et la Russie s'est précipitée pour intégrer ces nouvelles régions dans sa constitution, ce qui fait que, par exemple, la constitution de Russie trace aujourd'hui les frontières de l'État qui ne correspondent pas à la situation réelle sur le terrain. Et on a beaucoup de phénomènes comme ça, en fait, qui montrent à quel point c'est cette logique personnelle et de gouvernement de personnes et de gouvernement par loyauté personnelle qui produit à la fois produit des effets dans cette guerre et, je dirais, s'accentue dans cette guerre. Donc Wagner, effectivement, alors on a, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer non plus les conflits avec le commandement militaire qui certes sont... On a encore eu un épisode aujourd'hui même. Voilà, certes ils sont mis en scène, mais je pense que les militaires ne sont pas forcément contents de la communication sur la guerre qui est faite par Wagner et qui met en avant l'inefficacité de l'armée russe et l'efficacité, mais néanmoins, ce qu'on constate par exemple aujourd'hui, c'est que les autorités militaires vont reproduire un certain nombre de pratiques qui étaient celles de Wagner, comme par exemple le recrutement des détenus aujourd'hui n'est plus fait par les groupes paramilitaires, mais est fait par l'armée régulière. Donc tout ça, vous voyez, c'est pas bon signe, ce n'est pas signe d'un État qui se consolide, contrairement aux apparences que l'on pourrait avoir. Alors moi, je voudrais revenir sur la question de la fatigue qu'évoquait Cédric Mas, parce que, Karine, est-ce que toi, tu as senti en Ukraine, par exemple, une peur, justement, de cette fatigue des opinions publiques occidentales? Est-ce que les Ukrainiens craignent ça, justement?
J'ai senti surtout que de toute façon, ils ne devaient compter que sur leurs propres forces et qu'ils étaient sans doute dans une forme de gratitude à l'égard et ils sont tout le temps sur leur boucle Telegram à vérifier qui donne quoi, quelle promesse a effectivement été tenue, en plus de vérifier où tombent les bombes, qui est blessé, à quel moment, etc. Mais toute la population ukrainienne est au courant maintenant des différences entre tel type de tank, tel type de missiles, etc. Donc, il y a une connaissance là qui se fait qui est assez incroyable. Et en même temps, ce sentiment que de toute façon, ils ne peuvent compter au final que sur leur propre force. Et c'est là qu'on retrouve la question de la mobilisation de la société. Je repense à une phrase très récente de Zelensky, du président ukrainien, qui dit que maintenant, pour gagner la guerre, il faut les tanks allemands, français, etc. Et c'est uniquement par les armes qu'on gagnera cette guerre, et c'est sans doute évidemment essentiel. Mais on peut se poser quand même la question du soutien. Que ferait ce pays avec des armes sans le soutien total de sa population? Moi, encore une fois, c'est vraiment ce qui m'a frappé de manière très forte, c'est-à-dire que un an après le début de la guerre, on pourrait croire que les gens sont fatigués, et ils le sont. Ils le sont, mais néanmoins complètement déterminés, c'est-à-dire que cette fatigue ne va pas avec du repos. À chaque fois, lors de mes entretiens, je les interrogeais sur à quel moment allez-vous... J'osais même pas parler de vacances, parce que je voyais bien que c'était pas du tout l'état d'esprit. Donc, à quel moment allez-vous prendre un petit peu de repos? Parce que on sent une tension dans toutes les discussions qu'on a avec les gens, on sent une tension, une vibration très spécifique à ce temps de la guerre que décrit quelqu'un comme Audouin Rousseau, qui est, voilà, le temps où il n'y a plus ni de passé ni de futur, on est dans le temps présent, on ne pense qu'à vivre au jour le jour et on a une perspective sur une semaine, point barre. Donc il n'y a pas de repos, en fait. Le repos, à chaque fois la réponse était la même, je me reposerai quand la guerre sera gagnée, voilà, une fois la victoire acquise. Et ça, c'est vrai que c'est impressionnant après un an, parce que des choses qu'on aurait pu attendre au début... Et là, au bout d'un an, on est toujours dans cette vitalité, dans cette mobilisation. Et je me dis que si la victoire est gagnée, c'est peut-être, sans doute, grâce aux armes et aux stratégies militaires qui auront été mises en place, c'est indéniable, mais aussi sans doute qu'il ne faudra pas oublier cette mobilisation totale de la société ukrainienne. Alors, Cédric, oui, juste une question, parce que Karine mentionne la Première Guerre mondiale. Alors, on cite aussi la Seconde Guerre mondiale, on cite aussi les guerres napoléoniennes. Alors, l'historien militaire que vous êtes, c'est... Les rivalités à la fin du Troisième Reich entre l'armée privée de la Luftwaffe, l'armée, la Waffen-SS qui monte en puissance, les armées des rivalités avec justement cette dispersion, en réalité, cette gabégie des moyens. Là, c'est vrai qu'on est plutôt sur la Grande Guerre, c'est-à-dire qu'on est sur... ça renvoie à la mobilisation des sociétés françaises, notamment, et allemandes. Mais là, il y avait un enjeu, et pour les Ukrainiens, de toute façon, ils n'ont pas le choix. Hein. Je veux dire, c'est à partir du moment... Donc c'est très mobilisateur de ne pas avoir le choix, de même que c'est très mobilisateur de ne pas vouloir participer à un nouvel effondrement traumatique comme un premier qui est utilisé par la propagande. Par exemple, 1918, réutilisé jusqu'en 1945. On va travailler sur la fin de la guerre à l'Ouest. Les combats les plus durs à l'Ouest, c'était entre janvier et avril 1945, alors quand même qu'après les Ardennes, normalement, n'importe quel esprit normalement constitué du côté allemand se rendait bien compte que c'était fini, et pourtant c'est là où ils vont le plus combattre, qu'ils vont subir le plus de pertes, que les Alliés vont lancer le plus grand nombre de bombes, d'ailleurs, sur les villes allemandes. Mais ce qui m'interpelle sur cet aspect, c'est que, oui, l'aide occidentale est importante. Déjà, il suffit de voir ce qui s'est passé en Syrie quand on n'a pas aidé un peuple contre un dictateur allié de Poutine. Le résultat, cet enfer permanent qui continue, en plus on a des tremblements de terre maintenant. C'est une horreur, c'est une tâche indélébile sur notre histoire et sur nos hommes politiques de l'époque, notamment américains. Mais il y a aussi autre chose, c'est que ce soutien occidental a été organisé par les Ukrainiens. Cette mobilisation a été organisée. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur le livre blanc stratégique de la défense de l'Ukraine, qui est sorti en 2021, et tout était déjà là. Alors, regardez, et ils expliquaient bien que face à une guerre, enfin une relance de la guerre, puisqu'ils étaient en guerre contre la Russie, ils ne pourraient pas s'en sortir seuls, ils devaient donc avoir le soutien occidental. Il ne faut pas oublier que si le récit russe
d'une dénazification de l'Ukraine a échoué dans nos opinions, c'est aussi parce qu'en face, on a eu un récit qui a été porté par plein de choses et des actions, y compris organisées par, en tout cas, le gouvernement de la transformation numérique ukrainienne qui s'est mobilisé, etc. Souvenez-vous, dès les premiers jours, les premières heures, ces images des populations qu'on nous a décrites comme russophones, donc nécessairement vendues, devant acclamer avec le pain et le sel l'arrivée des Russes et qui se groupaient pour bloquer les colonnes russes, rappelant d'ailleurs les images de Tiananmen, donc en plus avec des renvois, toutes ces vidéos tournées avec des téléphones et qui sortaient immédiatement sur les réseaux, qui ont été portées par le gouvernement ukrainien pour justement faire passer ce soutien-là. C'est-à-dire que le soutien des Occidentaux, qui est largement insuffisant par rapport à ce qu'on pourrait faire et ce qu'on devrait, eh bien, il est aussi à mettre au crédit des Ukrainiens, je pense. Parce qu'en se mobilisant, en montrant leur résistance, en menant les actions, ils ont permis à ce soutien de supplanter le narratif russe, pour reprendre un mot anglo-saxon, que je l'aime bien, de la dénazification qui voulait nous démobiliser, nous empêcher de soutenir la résistance ukrainienne. Alors, Edoui faisait référence à l'absence de débat. Est-ce que, juste pour conclure notre émission spéciale, est-ce que vous avez tous l'impression qu'il n'y a pas de débat ? Pourtant, on a l'impression qu'il y a des débats dans la presse, en tout cas, mais cette absence de débat, elle se reflète quoi ? Dans le Parlement ou... À l'évidence, dans le Parlement, insuffisamment, dans les formations politiques elles-mêmes, insuffisamment. Je suis sidéré avec Anna, Colin Lebedev, on s'est retrouvés ensemble à des réunions publiques d'explications, de pédagogie. J'en ai fait plusieurs avec le réseau européen de solidarité avec l'Ukraine. Je suis invité à Genève le 24 par ce réseau, voilà, à cause de ce que nous avons dit, de ce que nous développons collectivement avec tout le travail de l'équipe de Mediapart. Aucune de ces réunions, qui souvent sont organisées avec des syndicalistes, parce que ce réseau européen, il y a les syndicats, et avant qu'il y ait leurs unions sur les retraites, une des blagues dans les syndicats, c'est dire on n'arrive pas à se mettre encore d'accord sur les retraites, mais sur l'Ukraine, on est tous d'accord. Et c'est eux qui font les convois, et c'est eux qui envoient les choses, et on les a vus à l'action. Je n'ai, dans aucune de ces réunions, j'en ai fait plusieurs, avec du monde, à Lyon, à Besançon, à Paris et ailleurs, je n'ai jamais vu de responsable politique présent. Ne serait-ce que, pas forcément à la tribune, mais comme ça se faisait ailleurs. Vous savez, je suis du secteur international, du Parti socialiste, tout ça. Je viens... Pas de mobilisation, pas de pédagogie politique, pas, prenons la France insoumise, pas revisiter les bêtises qui ont été dites. Bon, on a le droit de peut-être se tromper. Puis, quand arrive une réalité, je ne vais pas citer toutes les citations, et elles sont nombreuses parce qu'elles sont quand même sidérantes, les votes au Parlement européen. Hein, qui ont été refusés pendant toute cette période de décennies, quand même. Hein. Et donc, il y a un moment où des choses devraient être faites. Même la gestion de cette guerre par Emmanuel Macron à la française, totalement personnelle, qui, du coup, n'a pas permis. J'ai revisité le fait que, en effet, je citais Jean-Pierre Chevènement. Jean-Pierre Chevènement a adopté toutes les positions du pouvoir russe. Or, il était, jusqu'à il y a un an, comme Raffarin pour la Chine, l'ambassadeur pour la France sur la Russie. Et avec cette logique de grande puissance, la Crimée est russe, il y a des rattachistes et pas des séparatistes au Donbass, et il n'y a pas de nation ukrainienne, en fait. Hein. Et donc, il y a toute cette pédagogie que nous essayons de faire avec notre travail, qui est des vérités de fait, et de tenir tous les bouts, veiller à la société russe, ce qu'a très bien expliqué Anna. Il y a un blog des voix de la dissidence russe dans le club de Mediapart, il faut le dire, où ils s'expriment. Et puis, raconter comment c'est ce qu'on fait cette semaine, que c'est aussi le pire ennemi de son propre peuple. Bon, eh bien, pour ce que j'appelle un débat politique, c'est de faire cette pédagogie collective par rapport à un enjeu qui va nous déterminer, c'est mobiliser la société. Moi, mon inquiétude, puisqu'on prend le cas de l'Ukraine. L'Ukraine, c'est en effet formidable. Même Zelensky, il est un produit de cette société dans son itinéraire. Et quand il dit à Biden qu'il veut l'exfiltrer, il lui dit « mais j'ai pas besoin d'un taxi, j'ai besoin de tank ». C'est-à-dire qu'il dit une phrase spontanée qui vient du cœur de ce qu'a travaillé cette société depuis 10 ans.
Et moi, je suis inquiet dans ce moment de trouble, de confusion, et on le voit bien même dans l'expression de nos lecteurs, dans les commentaires de Mediapart, de l'absence de ce travail collectif, politique, au sens non partisan du terme, sur cette question, à part celui que nous faisons, nous, hein, que par les partis politiques. Pardon. Anna, vous êtes d'accord sur le fait que cette absence de débat s'explique par les cadavres russes dans les placards de la République ? Il y a effectivement quelques cadavres russes dans les placards. Comme le disait Le Monde récemment. En effet, mais peut-être que je pourrais avoir un message plus positif. Allons-y. Merci. Je n'ai pas l'habitude cette dernière année d'avoir beaucoup de messages positifs à transmettre. Ce matin, je discutais avec un journaliste qui me posait la question, mais est-ce qu'au fond c'est si simple parce qu'on présente les Russes comme les méchants et puis les Ukrainiens comme les gentils? Est-ce que finalement cette guerre, c'est pas plus compliqué que ça? En l'occurrence, effectivement, Poutine a été très fin toutes ces dernières années jusqu'à l'agression de février 2022 pour semer le doute. Et moi, je me rappelle, dans les années qui ont suivi 2014, l'annexion de la Crimée, les troubles dans le Donbass, oui, mais l'extrême droite ukrainienne, oui, mais les pro-russes, oui, mais l'oppression de la langue russe en Ukraine, etc., etc. Toute cette petite musique et ce discours qui sentait très fort la Russie, dans la mesure où c'était la Russie qui l'avait amené dans le débat public et qui portait chez nous. En l'occurrence, je pense que l'une de ses erreurs dans cette agression armée, et ce n'est pas la seule, est d'avoir fait quelque chose qui ne peut être qualifié que d'agression, en fait, avec un agresseur et un agressé très clairement. Donc oui, dans cette guerre, on a quelque chose de très simple, en réalité, hein, et qui ne fait pas débat, parce que ça fait l'unanimité, et tous reconnaissent que l'Ukraine est la nation agressée qui défend son territoire, et que la Russie est l'État agresseur. Alors, comme nous avons une population qui est traditionnellement méfiante à l'égard des discours trop unanimes, traditionnellement désireuse d'aller chercher un petit peu plus loin, de se méfier notamment des discours médiatiques, on va bien évidemment retrouver ce doute, hein, retrouver cette question de « mais c'est ces Ukrainiens qu'on nous décrit comme les gentils ». Si on nous les décrit comme les gentils, c'est qu'au fond, en fait, il y a anguille sous roche. D'où ma préoccupation, mais je pense qu'elle trouve sa place, et elle trouve aujourd'hui la place, notamment dans les médias, d'introduire de la complexité. Et je pense que, voilà, vous le faites, et Yulia le fait, en envisageant, par exemple, avec complexité, la question des différentes formes de collaboration dans les territoires occupés. Hein. Et du rapport à la langue russe et des questions qui peuvent se poser en politique ukrainienne. Donc voilà, donner de l'épaisseur à cette société pour ne pas la faire devenir une société de héros. Il y a quelque chose que j'appelle, alors ça fait longtemps que je prévois d'écrire un texte là-dessus et puis le temps ne se trouve pas, toujours pas, c'est le... On le lira bientôt sur Mediapart. Bientôt sur Mediapart, que j'appelle le piège de David. Le piège, c'est-à-dire qu'on a souvent décrit cette guerre en termes de David contre Goliath, avec la Russie étant le Goliath et puis l'Ukraine étant ce petit David qui se défend héroïquement. Mais je pense qu'il y a un piège à décrire un peuple effectivement comme unanimement héroïque, comme invincible, comme voilà, faisant face à tous les obstacles. C'est un pays avec sa complexité, avec ses doutes, avec des populations qui font des choix compliqués, de même qu'en Russie. Donc je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est effectivement, c'est peut-être pas de faire débat, mais de donner cette nuance qui permettent à ceux qui ne connaissent pas le sujet de se sentir qu'on est dans le vrai, qu'on est dans des vraies préoccupations humaines. Cédric Mas, vous aurez le mot de la fin. Est-ce que ce sera sur une note positive ou négative? Alors, moi, je suis à la fois un pessimiste positif, hein, donc je suis très positivement surpris par la réaction occidentale parce que j'ai vu ce qui s'est passé en Syrie et je voyais se mettre en place les mêmes textes en remplaçant néo-nazis, enfin djihadistes ou islamistes par néo-nazis, mais exactement les mêmes choses. Et là, ça n'a pas marché. Mais en revanche, il faut rester très prudent parce que y a des temps. Hein. Y a le temps de la diplomatie et puis le temps des armes. Et on veut déjà être à la diplomatie alors que le temps des armes ne s'est pas terminé. Il y a le temps de la complexité qui sera celui de l'analyse historique. Hein, mais il y a aussi le temps de la tension, de l'enjeu, du défi. Et en effet, s'il n'y a pas de débat là où il devrait être, c'est aussi parce qu'on veut le placer là où il ne devrait pas y avoir débat. La situation est beaucoup plus claire et moi j'attends de cette année 2023 que ça soit l'année de la clarification. Les choses sont simples aujourd'hui et laissons les analystes, les chercheurs, les universitaires retrouver la complexité après. Je vous rappelle le récit national de peuple résistant et puis ensuite... Il y aura tout un travail à refaire après, mais là, pour l'instant, on doit être dans l'action.
de ne pas faire, de quel monde nous voulons, et le monde où Poutine, l'agression poutinienne réussirait, le monde où nous ne parviendrions pas à faire respecter ces normes internationales que nous avons déjà si souvent violées, eh bien c'est pas le monde que nous devons désirer pour nos enfants. Merci à tous les quatre. C'est la fin de cette émission spéciale sur l'Ukraine, mais nous continuons pendant toute la semaine à publier reportages et analyses sur notre site, et en particulier les reportages de Karine en Ukraine. Cette émission en accès libre n'est possible que grâce à vos abonnements, donc abonnez-vous. Merci Edoui, bonne soirée, à très vite sur Mediapart, salut.